pour ce mot croisé qui parle du son p et du son b, il y a à la fois des devinettes, il y en a 5, et il y a aussi des images où tu dois retrouver le mot. Alors, regarde bien chaque mot, lis bien les petites devinettes et tu remplis cette grille de mots croisés. D'accord ? Regarde bien, attention, chaque case est pour une lettre. Une lettre, une case. Et tu écris en capitale d'imprimerie. Et on se retrouve pour la suite, c'est-à-dire la correction. Allons-y pour la correction. Alors, on va commencer par les images. Ici, c'était une poire, P-O-I-R-E. Ensuite, ici, une poule, P-O-U-L-E. Ici, c'était des pas, P-A-S. Là, un poisson, P-O-I-S-S-O-N. Attention, il y avait deux S, parce que si tu n'en mets qu'un, ça fait poison. Puis il y aurait une case toute blanche, toute seule. Alors ici, ce dessin, on ne voyait pas très très bien, je suis d'accord. La petite fille faisait des bulles. B-U-L-L-E-S. Donc ça, c'était pour les images. Et tu as peut-être remarqué, ils étaient tous à la verticale. Pour les mots qui étaient écrits à l'horizontale, c'était les petites devinettes ici. Numéro 1. Ce sont des liquides que l'on boit. Des liquides, donc il y en avait plusieurs, c'était boisson. B-O-I-S-S-O-N-S. S puisqu'il y a les liquides, les boissons. Numéro 2, c'est un vêtement bien chaud. Pull, P-U-L-L. Numéro 3, c'est un moyen de transport. Bus, B-U-S. Numéro 4, c'est le boulanger qui le fabrique et le vend. Pain, P-A-I-N, avec le son 1, A-I-N. Et la dernière devinette, ce sont des chaussures en bois. On avait déjà vu ça dans le livre pilotis dans la maison des sons. Sabot, parce qu'il y en a plusieurs, il y a un S. Sabot, S-A-B-O-T-S. Je suis d'accord, c'était pas si simple, mais au fur et à mesure d'en faire, tu verras que tu trouveras ça de plus en plus facile. Voilà, je te laisse avec la correction. Tu peux faire pause pour bien voir ce que toi tu as fait et le corriger.